soleil d'été. Tu m'appelles à vivre mon heure étonnant, aimé comme toi. Tu m'invites à lire dans tes yeux de ton cœur l'histoire de Dieu. Ton amour, Seigneur, est plus fort que la mort, plus brûlant que le soleil d'été. Ton amour, Seigneur, est plus fort que la mort, plus brûlant que le soleil d'été. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, aujourd'hui l'Église fait mémoire du bienheureux Jacques-Jules Bonneau et ses compagnons martyrs. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. En appelant Seigneur en ce jour le bienheureux Jacques-Jules Bonneau et ses compagnons au témoignage suprême du martyr, tu as manifesté que n'aime rien tant que la liberté de ton Église. Par leur intercession, accorde à tous les baptisés de Troie sans entrave devant les hommes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 à 5. Frères, il faut que l'on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les intendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est en somme de mériter confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur.
Alors, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions secrètes. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble dans le psaume 36. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien. Et tu auras une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Encore, le salut des justes vient du Seigneur. Acclamation. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Dans la joie pour l'alliance nouvelle, heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. On disait un jour à Jésus, les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. Et il dit pour eux une parabole. Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf. Et le morceau ajouté qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais
Celui qui a bu du vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés sœurs et frères, la parole de Dieu pour aujourd'hui nous invite à vivre dans la jovialité. Le Seigneur veut que nous soyons toujours heureux. Le Seigneur veut que nous soyons toujours de bonne humeur. Des chrétiens, des chrétiennes qui vivent, quoi qu'il en soit, dans la joie de la présence de l'époux. Jésus matin, il dit non, il est l'époux. Le monsieur marié là, pas capable de gagner gêne. Le monsieur marié là, pas capable de gagner Marie Sainte. Le monsieur marié là, pas capable de gagner tribulation. Le monsieur marié là, c'est manger, c'est boire. Tout est une question du temps. C'est ça, l'ordre chez l'homme, c'est de pouvoir demeurer dans le juste milieu, l'équilibre. C'est ça qui est plus difficile qu'un monde. Et ce n'est pas monde jour et jour, ce n'est pas contemporain nous seulement, c'est monde depuis tant que fait commencer. Pour nous qu'on marié, pour nous qu'on ajusté, les pour nous crier, nous crier. Les pour que nous content, nous content. Les pour nous travail, nous travail. Les pour nous reposer, nous reposer. Les pour nous chanter, nous chanter. Les pour nous relier en moi, nous relier en moi. C'est ça l'homme. Parfois, nous pas capable de faire des cantations ça, des marcations ça, et nous presque mélanger toute bagaille. Les pour nous dormir, c'est bureau nous, c'est ordinateur nous, c'est livre nous, c'est ça nous râler pour nous frapper. Les pour nous aller pour faire lecture, meubler l'esprit nous, chercher mettre connaissance, c'est qu'à bon nous râler, nous dormir. Et si nous vivons vivre dans le juste milieu, eh bien nous avons un monde qui est équilibré. Tout est une question d'équilibre. Et frère avec ce mieux, maintenant Jésus parle nous de ça. Le facteur du temps, il joue un rôle important dans la vie nous. Qu'il est pour nous faire yon bagay, qu'il est pour nous quitter. Qu'il est pour nous joyeux, qu'il est tout pour nous accepter et même figuer nous faire pour nous entrer dans faire jeûne. Et c'est ça. L'époux, il est là. Lorsque l'époux est là, on est tous joyeux. On est tous contents. Et nous vivons dans l'ambiance festive ça, na vivre dans ambiance fête qui est content ça. Jésus mande nous pour nous chrétiens, chrétiennes de bonne humeur, pour nous jovial, pour que nous content. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, na vivre dans contexte haïtien qui est difficile. Pour yon chrétien, pour yon monde content, ça mande en pile bagaille. Mais faut nous pas oublier nous porter l'espérance dans cœur nous. Les pouvoirs, il est là dans notre vie. Et si c'est lui-même qui est éprouvant, c'est lui-même qui monsieur marié que nous, c'est lui-même qui prend première place dans la vie nous, rien pas capable de faire nous faillir, rien pas capable de porter une tristesse, angoisse dans la vie nous. Ta coupe somme nous dit, même là nous dans tribulation, même là nous dans épreuve, mais Jésus est là, remet là la joie, il est présent dans mes temps que nous. Et deuxième partie dans texte aujourd'hui pour matin surtout il parle nous de questions bon divin, divin nouveau, outre neuf. Rad ancien, rad neuf. Qui ça nous entend par là? Yon chrétien lit toujours actuel dans le Christ. Yon chrétien lit toujours nouveau dans le Christ. Ouais. Même j'ai mon téléphone, faut toujours update li. Ou ordinateur faut update li sou pa fè l ap mande pou fè l, eh ben chrétien li de toujours un chrétien update
dans le Christ. Et mal plus loin, faut upgrade dans le Christ. Un chrétien upgrade ou toujours à renouveler, ou toujours à nouveau, ou toujours à chercher pour plus récent dans Christ là, ou toujours à chercher pour plus près Jésus-Christ. Par un chrétien une fois pour toutes, chrétien t'es hier, c'est chrétien ça aujourd'hui. Ah non, il faut te renouveler dans le Christ. Faut update tout dans Christ là. Faut ou upgrade dans Christ là. Divin nouveau, hein? Jésus toujours nouveau dans la vie nous. Jésus toujours présent dans la vie nous. Et un chrétien qui pas toujours chercher nouveau dans le Christ, c'est un chrétien t'a côté téléphone ça relé et d'em baiser. Yo beaucoup dans smartphone, yo beaucoup dans iPhone. De quand un chrétien BlackBerry nous songer chrétien téléphone longtemps, un BBM, ouais. Mais qu'on a c'est SMS. Il y a l'autre bagaille toujours. C'est-à-dire faut que nous actualiser nous dans Jésus. Chrétien, les deux chrétien nouveau, non pas nouveau à la manière du monde, non pas nouveau à l'instar de la nouveauté que nous offre le monde, mais non. C'est pas monde là qui offre nous mode de nouveauté que nous devons gagner dans Jésus, mais c'est nous-mêmes qui pour bailler monde là. Ça qu'on fait mal parfois là ouais, un chrétien c'est monde là qui mène. Ouais, chrétien libre aller dans courant monde là. Chrétien libre aller dans ligne monde là. L'église là, li dans monde là, mais l'église là li pas quitter monde là menel. Chrétien tout, li dans monde là, chrétien pas doit quitter monde là menel. Chrétien la vive sous terre. Li gen deux pieds ancrés dans la réalité, mais tête li, cœur li, l'esprit li, la vie li penché vers les réalités d'en haut, dans ciel là. C'est pour nous toujours chrétien de bonne humeur. Un chrétien Laurel, un ben figuil, un ben rayonnant de joie. Un chrétien Laurel qui porte espérance. Un chrétien Laurel, un ben libre le goût de vivre. Un chrétien Laurel, il contamine avec la joie qu'a dégagé dans le cœur. Un chrétien qui, malgré les namitants tribulations, les namitants épreuves, mais dans le cœur, il y a cette lampe de l'espérance qui reste, qui demeure allumée. Un chrétien qui est toujours nouveau dans Jésus. Un chrétien qui est toujours update, upgrade dans Jésus. Un chrétien qui est toujours récent dans Jésus. Et le facteur du temps, chers frères bien-aimés, non pas des hommes anachroniques qui vivent dans le temps, mais faut nous qu'on est marié événement qui a déroulé dans le temps. Qui l'est pour nous contents? Qui l'est pour nous joyeux? Qui l'est pour nous jeûner? Qui l'est pour nous faire pénitence? Jésus dit non, c'est mon automne, le épouant par là, le ça nous va jeûner. Avantage que nous gagnons, c'est avec Frémio, l'époux sera toujours, toujours, toujours là, au cœur de notre vie, au cœur de notre existence. Et de ce fait, nous serons toujours, toujours, toujours des hommes et des femmes, des chrétiens et des chrétiennes heureux, heureuses, des hommes et des femmes joyeux, joyeuses dans le Seigneur. Car c'est lui qui nous a fait cette promesse, je serai toujours là avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Soyez des chrétiens qui vivent dans la joie, dans le cœur content, parce que l'époux sera toujours là. Époux, il n'est pas jamais pas là dans le cœur non. Époux, il n'est pas jamais présent dans la vie non. Et alors seulement, nous va dire à l'instar de Saint Paul, puisque nous sommes chrétiens qui update, upgrade. Nous, ces chrétiens qui toujours vivent dans la joie, dans le cœur content, eh bien, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. L'homme ancien, l'homme nouveau que j'étais hier, eh bien, s'en est allé. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis devenu un homme nouveau, une femme nouvelle. Et voilà qu'aujourd'hui, toute chose est devenue nouvelle. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.
tout qu'un appauvri ou tout seul ou possédé dans la vie nous t'en prie s'il plaît papa recevoyons pour nous grand-mère c'est à tout qu'un appauvri ou tout seul ou possédé dans la vie nous t'en prie s'il plaît papa recevoyons croyons pour nous. Ti payant, c'est à tout que n'a pas offrir ou lit. Non, mais c'est à tout que n'a pas offrir ou. Tout si seul ou possédé. Dans la vie, nous, t'en prie, s'il plaît, papa, recevoyons pour nous. Dis veillons, c'est à tout que n'a pas frioli. Grand-mère, c'est à tout que n'a pas frioli. Tout si seul, nous possédé dans la vie, nous. T'en prie, s'il vous plaît, papa, recevoyons pour nous. Sœurs et frères, prions ensemble au moins d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te consacrons en célébrant tes glorieux martyrs. Qu'elle efface nos fautes et te rende favorable au désir de tes serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre du bienheureux Jules Bonneau et ses compagnons en donnant leur vie comme le Christ il a glorifié. Ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse. Quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, louange pour grand-mère.
vos compliments, bravo, pour m'ouvrir. Pour si la capillaire, non, non, où, saint, saint, oui, où, saint, saint, bravo, pour vous ramener. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacune de nous qui participe à cette messe, sur nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tous les amis de la paroisse, sur tous ceux et sur toutes celles qui se recommandent à nos humbles prières, sur nos frères et sœurs qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de naissance ou de mariage, sur les nouveau-nés, sur les mourants,
Nous implorons ta bénédiction et ton amour. Nous implorons tes faveurs, Seigneur, sur nos frères et sœurs qui participent à cette messe à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus-Christ, mon tourmentier, qui ouait tes péchés sous terre, t'en prie pitié pour nous. Jésus-Christ, mon tourmentier, qui ouait tes péchés sous terre, t'en prie pitié pour nous. Jésus-Christ, mon tourmentier, apprends-nous bien vivre ensemble, apprends-nous bien vivre ensemble, apprends-nous bien vivre ensemble, apprends-nous bien vivre ensemble. À la chance pour monde, Jésus invite à venir manger ça. Mais Jésus, mon ton bon Dieu, qui a été péché sous terre. Grand-mère, moi pas mérité pour entrer la caille moi, mais dis en seule parole et dans moi vague. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
sachant trop tard pour joindre réparation, pour sembler avec moi. Moi toujours tout près, moi pas j'en fatigué long chemin, moi pas proche, proche, dans sous bonheur. Approchez, venez entourez-moi. Approchez, venez pour prendre la jambes qui nous prend route là pour compte nous. Moi assire nous, ma colle nous à force pour nous cas arriver. Proche, proche, dans sous bonheur. Approche, venez entourez-moi. Approchez, vivez-vous pour la vie. Nous t'aimons gagner tout ça qui souteille, mais sans moi. Ça c'est blague. Si nous voulons vivre riche, c'est courir, vite joindre moi et n'a qu'on s'assaille richesse. Proche, proche, dans sous bonheur. Approchez, venez entourez-moi. Approchez, venez pour moi. Venez entourez-moi. Approchez, venez pour prendre la ensemble le Seigneur. Nourris du vrai pain du ciel et rassemblés en un seul corps dans le Christ, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de n'être jamais séparés de son amour, mais de surmonter toutes nos épreuves à l'exemple des saints martyrs, en aimant celui qui nous a aimés. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint-Michel, défends-nous dans le combat. Saint-Michel, défends-nous sous les... Saint-Michel, Saint-Michel, défends-nous dans le combat. Saint-Michel, défends-nous sous les... prière au Saint-Archange là et monde qui gagne les frères. Nous allons ouvrir la page 12 pour
serons capables d'y ensemble prière. Ô grand Saint-Michel Archange, ô même qui remplit à sagesse bon Dieu, qui fort dans tout combat, venez porter nos secours, soutenez-nous dans difficulté et dans épreuve nous yo. Consolez-nous les n'ap souffri, tant que les n'ap crié. Bannons force et courage pour en rien pas faire nous désespérer, ni douter de présence bon Dieu dans la vie nous. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre toute force mal. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre tout ennemi visible et invisible. Nous remettons tout combat nous dans la mer. Qui est-ce monde qui pas gain combat n'a mené dans la vie ça? Confier combat nous yo dans main Saint-Michel, les mêmes qui connent gourmet, les mêmes qui se force bras bon Dieu, les mêmes qui aide nous combattre, les jeunes, les adultes, les adolescents, les enfants, nous avons tous notre combat à nous. Saint Gabriel Archange, ou même qui s'efforce à messager bon Dieu, portez-nous secours, campez avec nous, pour nous capables fort avec force bon Dieu. Campez avec nous, pour toute vieille force rester loin nous. Fais-nous remplir avec force bon Dieu, pour nous arriver à remporter la victoire sous toute force mal. Campez avec nous, pour nous toujours dire bon Dieu oui. Même Jean la Vierge Marie te dit bon Dieu oui. Les routes annoncées, naissance sauvez-nous Jésus-Christ. À travers vous-même, nous voulons confier bon Dieu toute la vie nous. La vie nous c'est pour bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu seul qui baille la vie. La vie nous toujours bien qu'est content. La présence monsieur Marguerite. Pour la vie nous toujours neuf. Pour la vie nous toujours à couler bon divin. Nous devons remettre lui. Non mais c'est là qui se source à mettre la vie. Bon Dieu nous. Saint Raphaël Archange, au même qui compte faire guérison, n'a supplié pour guérir nous, ensemble à tout monde qui est malade dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. N'a présenté à tout monde qui est malade dans la famille, nous, à tout l'autre malade qui comptait sur la prière, nous, à secours. Couvrez-nous en bas de nous. Pour aucune maladie pas faire nos paix, mais pour nous toujours faire bon Dieu confiance, lui-même qui a pouvoir guérir toute maladie à toute infirmité. Gain chrétien qui a souffri, gain chrétien qui persécuté jour dans jour, gain chrétien qui a maladie depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, 5 ans et plus. Toute thérapeutie, tout médicament, toute consultation, tout rendez-vous n'a porté aucun résultat. Bon Dieu, Saint Raphaël, meilleur. Mais non.
Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Fils. Alléluia. Gloire à l'Esprit. Alléluia. Nos saints archanges, priez pour nous. Nos saints anges, nos saints archanges, priez pour nous. Nos saints archanges, priez pour nous. Joyeux anniversaire de naissance à Chelsea Prosper, à Frankie Torchon, Magali Moreau Mention. Bonne fête à Margaret Desrosiers, à Marie-Hélène Fabien, membre du groupe Les Servants et Servantes de Notre-Dame d'Altagrâce. Joyeux et béni anniversaire au Révérend Père Bertoli Chérubin, à Nassius Jacques Germain. Bonne fête à Béatrice Destin, à Kéla Isha Saint-Fort, Margaret, à Marly Mélissa René, à Neissa Crève-Cœur. Joyeux anniversaire de naissance à Roselyne Lux, à Wannick, à Wilson Casimir, à Edeline et Donald Koch, eux qui célèbrent leur anniversaire de mariage. Et bonne fête, joyeux anniversaire de naissance à Brunette Métayer. À tout le monde qui aujourd'hui a célébré un événement heureux, important, joyeux dans la vie, on dit yo, bonne fête. Pas oublier, frère, avec ce mieux. Soyez des chrétiens qui vivent dans la jovialité. Soyez des chrétiens toujours de bonne humeur. Un chrétien, eh bien, visage les marqué la joie du dimanche de Pâques, non pas 20 juin, 4 avril. Un chrétien qui toujours, eh bien, récent dans bon Dieu. Un chrétien qui toujours tout neuf dans bon Dieu. Un chrétien toujours update, upgrade dans Jésus. Sauvez-vous comme ça, ou c'est monde pendant sous terre qui a ben dans la vie Jésus serait pour nous. Ou c'est monde depuis sous terre qui commencé prend sainte odeur la vie éternelle là. Belle la vie que nous connaît Jésus pas ban nous mentir, serait pour nous dans paradis dans ciel. Je dis à ce vendredi, c'est week-end non, moi dis non. Bonjour et vendredi, bon week-end. Kembe fem nan bon Dieu, pas quitter personne, aucun monde. Fait nous fâcher, pas quitter aucun monde, pièce monde. Fait nous comprendre que c'est de la nouveauté aïe, nouveauté aïe, qui est content, c'est nan bon Dieu. Kembe fem nan bon Dieu, pas laguer. Merci mon Père, pareil. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.